Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc une petite vidéo euh, sympathique que je vais vous faire euh, ce soir, avant demain, avec la vidéo spéciale 1500 abonnés, que je vais vous diffuser en première. Que je vous diffuser en première. Donc du coup, là, euh, aujourd'hui, je vais vous tester une petite lampe compacte que j'ai reçue en, en pack de 50. Donc voilà. Donc ce sont ces fameuses lampes compactes qu'on a un peu aujourd'hui, là en fer magnétique, mais vous allez voir que franchement, au niveau qualité, on a vu meilleur. Donc euh, voilà, mais, mais je pense que c'est quand même peut-être cool à tester pour, pour des éclairages indirects. Donc euh, voilà, j'en ferai si, j'en mettrai sur les appliques euh, en deux fois 11 watts que j'avais reçu euh, il y a quelques mois. Donc, du coup, c'est un, une lampe compact de chez Lumineux, parce que ça vient ça vient tout droit des du, du -Uni, ça euh, C'est un vendeur, euh, un fournisseur euh, de Royaume-Uni qui m'a envoyé ça. Donc lumineux long life euh, de 11 watts, PL lampe 220-240 volts, déjà il y a un problème, parce que ça ne fonctionne sûrement pas aux 220-240 volts. S'il fonctionne aux 220-240 volts, c'est son starter, mais pas le tube. Mais bon, ça, comme d'hab, ils ne vont pas te le préciser. Hein. Comme d'habitude, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont cramé leur lampe à cause de ça, qui ont mis ça, tiens, bon là, oh, bah, ça fonctionne aux 220-240 volts. Bon, bah il y a un ballast à l'intérieur, bon, bah je vais la mettre sur 230. Tu l'allumes et paf! Un petit flash blanc et puis plus rien. Bref, donc 3500K du coup c'est du blanc, euh, on va dire du blanc neutre, hein, euh, voilà, du blanc euh, universel pour, euh, pour certaines marques. PLG23. Energy Server, donc on dire que c'est de la bonne. Enfin, euh, quand on c'est des lampes qui vont euh, t'économiser de l'énergie, ce qui est toujours le cas hein, malgré la LED. Donc voilà, Energia, durée de vie euh, 10 000 heures. <laughs> je... ça c'est du bullshit total parce que je vais vous montrer ça la lampe elle est comme même testée un certain enfin elle est quoi euh, quelques... Euh, quelques fois déjà il y a un truc et voilà donc bon bref je vais vous le, la sortir donc, voilà à quoi elle ressemble déjà bah déjà la gravure c'est très succinct hein, pl 11 watts super 220 140 3500 c'est une lampe qui vient d'une lampe de bureau que j'avais jeté alors que, pas du tout. Euh, voilà, donc euh, les, les lampes en forme de U arrondi. Voilà, donc euh, super euh, en plastique. Bon, bon, bon. Bah, super, bon, il n'y a rien de bien spécial, mais regardez déjà. Je sais pas si on voit à la caméra. Une toute petite marque d'usure. Pour le peu de fois que j'ai pu, pu la tester. Parce qu'au début, j'ai cru que je devais les jeter les lampes, tellement qu'elles ne fonctionnaient pas au début. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans le luminaire et vous allez voir le, 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 le temps qu'elle met pour amorcer. Je vais la mettre dans le luminaire. Hop là hop là allez hop là c'est fixé. Allez c'est parti pour le test et je vais compter le nombre de secondes qu'elle va mettre pour démarrer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre,

on ne voit pas là, mais il y a une trace d'usure. Euh, bon là, il y a une petite bille. Bon, C'est normal, les billes qui métallisent le mercure. Et là, il y a une trace d'usure déjà. En peu de temps que j'utilise. Et tant, vous, vous, quand vous recevez une lampe, les, les lampes comme ça. Honnêtement, j'ai reçu les lampes. Les lampes Flow compactes. D'ailleurs, il y, y a un abonné euh, euh, en, anglof, en euh, anglais qui m'avait prévenu que ces genres de lampes-là, les starters étaient super longs. Je vous ai dit, hein, j'ai, enfin, euh, euh, honnêtement, j'ai reçu euh, le colis avec les 50 lampes. J'en ai testé une. Je me dis, l'allume, il se passe rien. Il y a, mais il y a un problème, c'est pas possible. Dire euh, un défaut, peut-être un défaut de fabrication. J'en teste une autre, toujours rien. Le, la troisième, rien du tout. Je me dis, mais c'est pas possible. Je dois toutes les jeter à la poubelle, en fait. Tout dans le bac pas parce qu'elles n'amorcent pas. Et je pensais qu'au début il y avait pas de starter, en fait. Mais si. Mais c'est juste qu'il y a une plombe à démarrer. Et là, quand je l'allume. Voilà, on est reparti pour un temps, peut-être un petit peu moins, parce que le starter a un minimum chauffé. Et plus il fait chaud, et plus ça le, ça le stimule, voilà. Mais franchement, quoi, on, on est arrivé à des stades. Ça, c'est bien pour l'éclairage indirect, à mon avis, parce qu'il s'adapte aux lampes, aux ballasts électroniques. Donc les starters, ça ne les fait pas trop démarrer. Euh, même s'ils démarrent, en réalité, les starters, j'ai vu. Hein, sur le ballast électronique, les starters démarrent tout de suite. Euh, quand la lampe n'amorce pas tout de suite et euh, sinon pour l'éclairage indirect à mon avis ça doit, ça doit jouer parce que bon les gens ils les allument pour des vitrines bon ils n'attendent pas un démarrage direct donc du coup bah, pff, ça prend du temps c'est pas grave en attendant elle fonctionne mais bon honnêtement c'est pas des temps que je, que je recommande hein. euh, c'est pour l'éclairage indirect si vous n'avez pas des choses à éclairer direct eh bah, bien les utiliser ça va démarrer dans le temps une après l'autre comme des lampes solaires comme, 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 comme des lumandards mais pour des lampes de bureau, honnêtement, c'est pas ce que je recommande le plus. À moins que vous soyez patient. Donc euh, voilà, c'était tout pour cette vidéo de test. Donc n'oubliez pas demain vidéo spéciale 1500 abonnés. Donc euh, soyez présents, je la ferai en première à 18h05. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.